réseau coopératif L'Adresse est un réseau qui accompagne les Français depuis plus de 20 ans. C'est un réseau de plus de 330 agences réparties sur toute la France, mais qui offre pourtant de belles opportunités pour ceux qui veulent nous rejoindre. Nous intervenons principalement sur le marché de l'ancien, un marché fortement durablement porteur qui d'ailleurs, ces dernières années, a battu tous les records. La coopérative est une société dans laquelle chacun des associés prend part aux décisions et aux bénéfices de celles-ci. Ce modèle est rare en matière d'immobilier. Alan Zinden, 36 ans. J'ai rejoint la coopérative L'Adresse en décembre 2014 et j'ai donc choisi L'Adresse parce que c'est le réseau qui me ressemble le plus. Que vous soyez déjà agent immobilier, créateur ou en reconversion, l'avantage en rejoignant la coopérative L'Adresse, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'une formation. Une formation sur 6 semaines avec 6 experts sur 6 points essentiels qui vous permettront vraiment d'avoir tous les outils nécessaires et exceller dans le métier d'agent immobilier. Que vous ayez trouvé votre zone d'activité ou que vous soyez toujours en recherche, le réseau L'Adresse vous accompagnera à étudier son attractivité, son potentiel, ce qui vous permettra de confirmer votre développement et donc d'être assez serein. Évidemment, vous ne serez jamais seul. Un conseiller dédié vous accompagnera tout le long de la vie de votre entreprise. Vous pourrez le solliciter pour des questions de votre choix. Le recrutement, les notions juridiques ou le marketing, par exemple. Je suis Guillaume Forêt, je travaille dans l'immobilier depuis 2005 et je suis sociétaire L'Adresse depuis un an. Après 15 ans passés dans un autre réseau immobilier, j'ai décidé de rejoindre L'Adresse en 2021. Ce qui m'a convaincu de rejoindre L'Adresse, c'est vraiment son esprit coopératif, le fait d'être partie prenante des décisions qui peuvent être prises par le réseau, puisque au sein du réseau L'Adresse, un sociétaire égale une voix. Lors des assemblées générales qui ont lieu deux fois par an, nous avons la possibilité de nous exprimer et de voter les différentes opérations, les différentes décisions qui seront prises pour l'avenir du réseau. Pour répondre à des besoins et à des attentes qu'on peut avoir nous dans nos agences, L'Adresse conçoit des outils et des solutions qui sont pensées pour et par des agents immobiliers. Ces solutions, elles sont ensuite testées, optimisées, améliorées sur le terrain. On parle vraiment le même langage. L'Adresse a fait le choix d'avoir une équipe de développeurs intégrés qui crée des solutions et des outils pragmatiques, simples à utiliser. Ils répondent surtout aux besoins et aux nouvelles habitudes de consommation de mes clients. C'est un gain de temps et surtout, c'est un vrai gain de rentabilité puisque je peux me recentrer sur mon cœur de métier. Au-delà de ces innovations, c'est une entreprise qui a réellement du sens. Elle repose sur des valeurs d'humanisme, de réussite et de partage. Pour illustrer ces valeurs d'humanisme notamment, le réseau L'Adresse est le premier réseau à s'être doté de sa propre fondation sous l'égide de la Fondation de France. Cette fondation a pour objet de lutter contre le mal-logement. Expérience, agilité, innovation, humanisme, vous l'avez compris, le réseau L'Adresse, c'est bien plus qu'une agence immobilière. Si je devais résumer mon expérience chez L'Adresse en un mot, ça serait intégré, parce que j'ai vraiment été bien accueilli et accompagné depuis un an. Fraternité, parce que ce sont des associés, mais aussi des gens proches qui sont devenus des amis. En un mot, l'engagement. L'engagement est pour moi ce qui caractérise le mieux le réseau L'Adresse. C'est l'engagement des femmes et des hommes qui constituent ce réseau.